toi. Voilà. En fait, je commence par ça parce que y en a trop qui regardent mes vidéos et s'abonnent pas. Genre, y a pas de bonjour, c'est bon, c'est fini. Comment ça, je fais 800 000 vues et y a pas 800 000 abonnés? Le pote, il regarde, il se dit, ah, il est pas drôle. Hein? Ouais, il se fait que je tourne ce moment à un autre moment de la journée. Je me suis changé, hein. T'es ma nouveau drap, nouveau habit, c'est pas chez moi, plus comme d'hab. Mais bref, ouais, du coup, là, y a mes gars Dislight. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit, ouais, Evan, on est chaud et tout. J'ai dit, moi aussi, je suis chaud pour te parler de Dislight. Dislight, c'est un jeu de rôle mobile au tour par tour dans lequel tu peux collecter des espères dotés d'anciens pouvoirs divins. Développer et construire ta propre équipe escouade d'espères, et tu peux aussi t'allier avec les autres joueurs du monde entier pour combattre les forces des ténèbres. Le grand plus de ce jeu, c'est qu'il se déroule dans un futur proche. Il y a eu une petite catastrophe mondiale qui a fait que les dieux de l'ancienne mythologie grecque, chinoise, nordique, égyptienne sont de retour dans le monde moderne. Par exemple, tu verras Odin transformé en motarde ventripotente. T'as eu du premier coup, même pas besoin de relire le script, là je l'ai ici directement. Ou Anubis déguisé en expert de kendo et un gentleman à tête de chien. Du coup, en plus Dislight c'est méga, ça veut dire essayer de vous mettre bien en termes d'ambiance, de gameplay. En plus il y a plusieurs styles musicaux comme la pop et le rock. En plus il y a peut-être mon EP dedans qui sort le 2 septembre, je précise, allez. Non, en gros ils essaient vraiment de s'adapter à tout le monde, t'as eu peu importe le joueur qui puisse s'immerger dans le monde de Dislight. Je parle surtout de Dislight pourquoi? Parce que t'as vu, il y a des mises à jour, il y a des nouveautés, mais là il y a une nouveauté, une nouvelle nouveauté. Tu m'as compris, arrête de faire des craques, tu m'as compris. Du coup, si c'est la nouveauté, c'est que il y a un nouveau roi, le roi des dieux Zeus. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis le roi des dieux Evan, parce que regarde, c'est de la barbe. Du coup, la nouvelle nouveauté, c'est qu'il y a un nouveau roi des dieux qui s'appelle Zeus. Comme c'est un jeu mobile, de base, ça y est, tu peux que jouer en mode horizontal. Bah là, tu peux jouer en mode vertical, vers le haut. T'as capté, parce que nous, on vise le haut. Et du coup, ça veut dire que tu peux y jouer n'importe où. Tu peux jouer aux toilettes, pendant que tu manges, pendant que tu... Et les années bouscailles que j'ai sorti là. Ah ah ah. Ouais, du coup, en gros, tu peux jouer n'importe où. Bref, tu vas t'immerger dans le monde vibrant de Dislight. Voilà, Maïdi, tu sais ce qui te reste à se faire. J'ai pas bégayé, c'est faux, t'as pas de preuve. Du coup, je disais, tu sais ce qui te reste à se faire. Tu vas télécharger le jeu dans la description. Ou, tu vas me dire, ouais, mais vas-y, j'ai pas la description. Dans mon intérêt épinglé, il y a le lien, tu télécharges le jeu. Pourquoi? Pour que le roi des dieux Zeus se réveille. Bref, les gars, du coup, description et lien épinglé, on repasse à la vidéo. Bisous. Non, sinon, bref. Les mecs, comment vous allez bien? Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube, comme d'hab, comme chaque samedi, comme chaque semaine, vu que maintenant je fais des vidéos toutes les semaines. Aujourd'hui, on fait la partie 2 de... De quoi déjà? Ah oui, de... Oh, je suis en ouf, de réaction. Oula, attends, fais la partie... Comment j'appelle concept? Ah oui, je réagis au TikTok, les plus gênants, partie 2. En gros, les vidéos, partie 2, les plus gênantes, partie 2. Eh frère, t'as compris le concept, je suis pas YouTuber, me prends pas la tête. Bon, enfin bref, du coup, là on est sur Twitter. Là, il y a Twitos Antipedo qui a fait... Un street thread du malaise. En gros, le truc de la vidéo, le concept de la vidéo, rend pas fou, non. Il est quoi? C'est le matin, 15h55, je suis fatigué, gros, rend pas fou. N'oubliez pas à liker la vidéo, même si elle a pas commencé, elle va être bien, frère. Je pré-shot. Non, je pré-shot, frère. Enfin, bref. On va commencer tout de suite avec cette vidéo. C'est parti. Non. T'as vu déjà sa tête? Le poteau, il a quoi? Il est entre 35 et 45 ans, il est entre 35 et 45 ans. Cheveux défrisés, ouais. Il lui manque des dents. Il lui manque des dents, la petite souris, elle. Il a même pas encore mis ses dents sous le riz, la petite souris, elle est déjà passée. C'est pas possible, j'ai compté. Oh putain! Allez, je pense pas qu'on pourra trouver plus gênant que cette vidéo. Allez, on va prendre celle-là. Oh non, oh non. Oh, il y a encore un monsieur. Oh. Et avant de continuer, sachez que ce genre de vidéo. Les trucs Fortnite ou Call of, avec un gars et une meuf qui font les trucs toujours cute, toujours kawaii là, c'est le top 1 de toutes les vidéos gênantes. Je pense, hein, je pense que moi franchement, les vidéos comme ça, je capte top 1 ou top 2. Il y a des messieurs. Il y a des messieurs. Pourquoi? Parce que je t'aime trop. T'en as marre, t'aimes mes métros. Vas-y, ah, vas-y, construis. Pas bon. Mais c'est dingue, entre deux bulles fight, ça dit je t'aime, frère. Il va derrière l'escalier, va derrière l'escalier. Trop fort, Bibou! Ok! Tu prends tout le staff que tu veux. Allez, on sort jamais, frère. Moi, je joue à Fortnite, je veux de la castagne. Je veux que ça bulte. Ça fasse des T3, T4, ouais, ah, des tryharders. Là, il se la casse. Tu prends tout le staff que tu veux. Allez, vas-y, on va te faire foutre, frère. Prochaine vidéo. Oh, pitié. Il y a quand même 3400 de likes. Il y a quand même 3400 de likes, ok? 1200 partages, je vous jure. Soyons honnêtes. Les 1200 partages, c'est le genre de pote qui envoie d'autres potes et qui se la casse sur elle. Je vous jure, c'est ça. Non, Liliane, la cosplayeuse. Parce qu'elle en fait plusieurs en plus. Oh, ça freestyle ici. Moi, j'aime bien les freestyles. Je pré-shot, hein. Ça va être masterclass. Le rap en moi, depuis que je suis Minus, j'étais là et je rappais déjà. Dans la cuisine, ma maman me disait, mais tais-toi. Mais moi, je ne me taisais pas car je veux ça de le sang. Je veux ça de le sang. Alors, j'ai continué. J'ai... Comment elle écrit? J'ai plein d'inspi, poteau.
Je fais ça de yon tant depuis déjà de la rap mobile 60. Attendez, je réécoute parce que c'est pas ce que j'ai entendu. C'est le rap en moi depuis que je suis minus. C'est le rap en moi depuis que je suis minus. Oh la dague. Oh la daguerie. Ma maman me disait, mais tais-toi. Mais moi, je ne me taisais pas car je veux ça de le sang. Je veux ça de le sang. Alors, j'ai continué, charbonné. Et aujourd'hui, j'y suis arrivé. Wesh. Chagall, respire, mon gars. Pourquoi t'es pressé? Franchement, nouvelle école, hein. Nouvelle école, inscris-toi, chef. Wesh. Bonjour, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Voici mon cul. Oui, nous venons de le voir. Rieux hommage. À la cul. Tu. C'est très joli. Spectateur invaincu. Toi qui as survécu. Ouais, ta gueule aussi, frère. Des gens que... En fait, je sais pas comment on fait pour être gênant, frère. Moi, je pense dans ma vie, j'ai déjà été gênant, d'accord, ok. On a tous été gênants une fois dans notre vie, alors. Tu vas faire quoi? On est derrière un écran, tu vas me taper, essaye, t'arrives pas. Il est bête ou quoi, lui? Mais bref. C'est l'île de France qui va s'enflammer. Votez Laurent. Votez Laurent. Allez, allez. Dans le parti. Et c'est moi le mec en bas de droite, du logo. Allez, debout. C'est l'île de France qui va s'enflammer. J'ai pas envie d'écouter le style de la musique, frère. Mais je sais même pas c'est qui Laurent Martin, mais bon. Sans commentaire. Non, vraiment sans commentaire. Là, je suis désolé. Là, je sais pas quoi dire, les mecs. Là, je sais pas quoi dire. T'es mal comme ça. Pitié, allez, arrêtez de faire genre, frère. Arrêtez de faire genre, toi aussi je vais te vanner là. T'es digba sourcil là, oh non ça y est, non. Eh, à chaque vidéo gênante, oh non je vais faire des ennemis, moi je vous le dis, moi. Toi là, madame, je sais pas t'es qui gros, oh non toi là. Mais restez tranquille, parce que moi je vais vous choper, moi là, vos vidéos gênantes, elles vont passer à la trappe. Elles vont pas passer, elles vont... Pas passer à la trappe là, moi je vous le dis, frère. J'ai faim. Une quéquette, une foufoune, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est énorme. Mais elles sont les mélanges. Je vais avoir plein de petites crêpes. Parce que je viens de voir là, c'est... En fait, c'est pas ce que je viens de voir, c'est une blague les mecs, c'est... Non, en fait, je pense qu'on va regarder la vidéo, il y a eu un petit bug. C'est... J'ai faim. Une quéquette, une foufoune, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est énorme. Mais elles sont les mélanges. Je vais avoir plein de petites crêpes. Vous êtes plutôt crêpes ou gaufres? Excellent. Le sujet est lancé. Tous ceux qui sont partis à la quéqueterie là, acheter les gaufres en forme de trucs génitales. Eh, allez vous faire foutre, ok? Moi, je vous dis, là, vos dignités, là, achetez. Allez-y aussi en acheter, frère. Toi, t'es là, tu te lèves. Là, tu prends le métro sans prendre ta douche, hein, parce que déjà, tu pues. Parce que tous ceux qui vont là-bas, ils puent. Ils se lèvent, ils prennent les transports, ils rentrent déjà, ça pue le vestiaire. Regarde sous ses bras, ça sent le sac de foot. Après, il va à la quéqueterie. Il mange ça sereinement, genre dehors. Tu manges un gros chibrac. Non, mais chibrac, c'est du chocolat. Pitié, ma tête, frère. Moi, je dis juste que tous ceux qui sont partis là-bas, vos dignités, elle est partie, frère. Ne me parlez même pas. Oui, mais c'est qu'une gaufre. Ta mère. Quand je lui mets du chocolat dessus, que je vais la manger. Ta mère, hein. Pas ceux qui y vont pas à la quéqueterie, hein. Ceux qui y vont. C'est une dinguerie, frère. Genre, moi, tu manges ça et t'es sûr, hein, genre. Mais genre, vous avez un souci, ma gueule. Téma, vous avez un souci, frère. Lui, en plus. C'est trop bien. Téma, là. Je vais te vanner, ta sale gueule. Oh non, je vais me faire des ennemis, je m'en bats les couilles, mec. Ta sale gueule, je vais le dire, frère. Bon, bah, tu sois à mes côtés ou pas, je vais te dire, ta sale gueule, ma gueule. Moi, je vais me faire des ennemis aujourd'hui, là. Ok, madame. L'humoriste. Méchant, lui, il est drôle, lui, hein. Salut les enfants, salut les parents. Bah voilà, une petite vidéo pour vous dire que j'ai été chez mon chirurgien qui est le meilleur et je me suis refait le fion. Voilà, le fion est tout neuf. J'ai le fion. Oh, trop drôle, Kevin Adams. Hein. Tu serais pas. Allez, autre vidéo. Hein. Je pré-shot, hein. Cette vidéo est gênante à un point. Je mets une note de 8 sur 10. Essayez de pré-shot, vous mettez combien sur cette vidéo? Vas-y, là les sourcils épais, ma gueule, on dirait du synthé, vas-y, allez. Ah, encore un tuto, comment embrasser une fille, c'est parti. Une fille, alors, j'ai déjà fait une vidéo où je montre comment j'embrasse les filles. Maintenant, je veux bien le réexpliquer, pas de soucis. Parce qu'il s'y connaît, donc il va nous montrer. Non, ouais, je suis pas grand connaisseur, mais... Donc, non, il va pas oser. S'approcher tout doucement, comme ça. Il va me galoche là. Là, ça veut dire que si j'appuie sur ce bouton de la vidéo, il va m'embrasser. Est-ce que je vais appuyer sur ce bouton pour me faire embrasser? Évidemment. Haut, bas, pour sentir un peu l'élève de la madame, de la fille.
Et puis après, on peut. Ah oui. On peut commencer à donner des petits bisous comme ça. Ah, ou alors on peut y aller plus. Wesh! Chacun a l'air de faire ce genre de bruit, t'as ouf toi! Ouais, plus haut en bas, plus sensuellement quoi. Ouais, c'est lunettes Carglass là, en plus il est tout content là. Et... Non mais frère, mais c'est une dinguerie de faire ça, les gens. Y'a des enfants sur le net! Y'a des enfants! Ok, des fois je fais quoi? Bouscapinouf, d'accord, ok, c'est une vanne. Lui, il est je vous jure qu'il est premier degré. Théma déjà la dégaine du boucle. Yes, bébé! Alors ça marche, il a enquillé une paire de Carglass, deux en un, putain, mate la gueule du raclo. Pitié, Choto, Choto, Choto. Ouais, c'est Choto. Quoi? Ouh, ça c'est chaud, hein. Ah, il est chaud, il est, c'est tôt, c'est le Choto, là. Non, j'ai pas oublié que c'était en vidéo, hein. C'est... Non, mais attendez. Prochaine vidéo. Ah mais moi, au nom aussi j'ai dansé. Ouh, elle a tué ça. T'es chaud Maïdji, t'es chaud. Allez, cette vidéo a déjà tourné beaucoup de fois. Souvenez-vous monsieur, 18 ans, vous savez cet âge, on est comme un alien en pleine mutation. Ouais. Alors, quelque part entre le ver de terre et le papillon. C'est ça, j'ai 18 ans là, c'est ça. On est comme un iPhone, pas abouti. C'est ça. Un Samsung en fait, hein. Moi par exemple, tu vois, je suis plus une enfant, mais je suis pas encore totalement une femme. Moi aussi je me sens comme ça. À part pour quelques pervers, hein, bien sûr. Bonsoir monsieur. Non, moi je veux devenir une femme, vraiment je veux devenir une femme, et c'est une question que je me pose, comment on fait pour devenir une femme? Comment on fait? Alors je suis allée Dis-nous. Demander à mon père. Elle est partie demander à son père. Alors là ça peut paraître très bizarre, hein, mais c'est parce qu'après tout c'est vous messieurs qui connaissez le mieux les femmes, pas vrai monsieur? C'est ça, crois-le. Soit tu veux devenir une femme. Tu lui as dit quoi? C'est non. Il y a une tendance en ce moment là. Il y a une tendance qui m'énerve. Pitié. Que certains mecs qui veulent percer, ils croient que c'est drôle. Hey, je prends lui, mais c'est un cas comme ça ou non? Je connais pas, peut-être c'est un bon dans la vie, je sais pas, mais guette et pitié. Ah, ça c'est le ballon des hommes, tu sais, le sport d'hommes là. Ils tapent avec leurs pieds là, le football. Lionel DiCaprio. Non, c'est Lionel Cristiano. Waouh. C'est quoi ça? Ah, les bougies romantiques où tu mets ça avec ta meuf. Le truc en ce moment de faire genre t'es bête pour que ça perce, allez vous faire foutre. Lui là, lui là, regarde. Les meufs ils kiffent ça, regarde, tu mets regarde, sur eux, regarde. Avec le feu. Oh, c'est quoi ça? Une gencive. Ah, un aimant. Pitié frère, c'est une dinguerie de faire ça. Tu en fait, tu fais genre t'es bête pour faire, pour, en fait. Tu fais genre t'es bête pour que ça perce genre. Ah, chien, un chat. Mais ta mère, c'est un canard. C'est un canard. On voit que c'est un canard, regardez. Pitié, c'est pas marrant. Toi, si par exemple tu veux percer, arrêtez de faire genre vous êtes con. Ok, ok, tu fais un truc, des fois c'est con. Ok, d'accord, les gens ils sont bêtes. D'accord, c'est pas fait exprès. Et faire exprès d'être bête pour percer et aller vous faire foutre, frère. Moi je vous le dis, les mecs comme lui, allez vous faire foutre, frère. Deuxième exemple, parce que les vont dire ouais, mais. Ça c'est le rangement. Ah non. Oh, on dirait un truc où il y avait Aladdin. C'est le bouquet d'Aladdin où il dit oh le génie, sors de ton bouquet. Il fait yeah. Bref, moi je vais me faire des ennemis aujourd'hui. On va pas blaguer là. Attends, c'est quoi la folie de Guillaume, hein? Un petit prodige des punchlines, âgé de 12 ans. C'était prévu. Ah, Loni, Chess, Totoche et Moby, venons, on le prend pour Battle 5, non, il a l'air chaud. Où est-ce que je peux l'emmener en voiture? De quoi, quand t'as une copine? Où est-ce que je peux emmener une fille en voiture? Où est-ce que tu peux emmener une fille en voiture? Oui. T'as rien, moi, pourquoi? T'as déjà pas une fille. Non, mais t'as pas... Faut que tu prends une fille qui sache conduire, déjà. Ah, non, mais t'as pas le permis. Excuse-moi, mais lui, il fait bien la télé, mais il a aucun charisme, hein. C'est moi qui l'a fait une punchline. Comment je fais pour la faire rire? Allez, fais-nous rire. Fais-nous rire, garçon. Je suis pas très doué pour ça, vas-y, dis-moi. En tout cas, je m'habille pas comme toi, j'ai pas envie d'être le con. Le poteau, il a même pas son brevet, il fait des vannes. Va te faire foutre, frère. Je sais pas t'as quel âge aujourd'hui, là. C'est la rage. Extraordinaire dans mon jardin, mais c'est un truc de... Oh, oh la cochonne. Tiens, c'est quel message qu'elle a reçu là? T'es trop bonne aujourd'hui, smiley concombre. Et après t'oses faire. Mais ça c'est drôle, c'est pas gênant, pitié, c'est marrant. Je viens de trouver une vidéo, ça a l'air pépite. On revoit ce bâtard. Putain, pitié, désolé si je parle mal, non, je suis énervé. Excusez-moi les jeunes, excusez-moi. Ouais, je parle comme si j'étais grand, je prends mes aides, ouais. Ouais, j'ai 19 ans, ouais. Ouais. Non, je rigole, ouais, vas-y. Salut, alors aujourd'hui je vais essayer d'imiter. Le singe King Kong, donc. En plus, c'est le bug de tout à l'heure là. King Kong, du coup. C'est parti. Merci. Mais
ta mère. Pitié, bip le. Eh, désolé, oh non, je suis trop violent. Oh non, je suis trop violent, pitié. Quand une meuf met, donc, met les LED en rouge, t'as capté, t'as capté. Quand elle te dit, viens chez moi, mes parents sont pas là, t'as capté, t'es capté. Non, j'ai pas capté, chef. Redis-moi, redis-moi. T'as capté. Oh, c'est dingue, c'est du. Non, c'est une vidéo. Attends, je me rends compte, cette vidéo, c'est dingue quand même. T'as capté. Quand elle te dit. En fait, la vidéo, elle est gênante, mais elle est drôle. C'est une idée, ma gueule, de faire ça au dos. Voilà, parlons de ça. Starter pack des garçons les plus beaux pour les filles en primaire. Coupe Justin Bieber sur le côté. Petite mâchoire pointue en mode Goomba. Ensuite, tac, petit nez fin, petite bouche, petit cheveu cassé par la mèche là. Attends, c'est quoi le truc? Les rires mignons que les filles tombent. J'arrête, tombe love quoi. C'est ma girl, fast for ok. Allez, prochaine vidéo. Oh, t'as me fait peur. Vous voyez, ce soir, je vais dormir cauchemar. Allez hop, direct. Qu'est-ce qu'il y a, ma fougère bébé? T'as plus d'âge, hein? Je vais te piquer. Je vais te défoncer la gueule. Michto, comment déjà? Comment ça, bébé? Non, ne me quitte pas. Pitié, mais... Quelle vidéo je viens de... Mais c'est pas Roblox, hein, les chefs. Oh, désolé, y'a pas de transition. Avec toute la planète. Planète. Toujours en ligne et en réseau. Réseau. J'ai pas envie de me prendre la tête. La tête. Je me sens trop bien. Dans ma peau. J'aime pas Facebook, je préfère lire des books. Des books. J'ai pas besoin de ça pour avoir le look. Le look. Je veux pas dévoiler tous mes tracas. J'aime mieux. Ouais, c'est pas mal, hein. Can you fix a broken? Can you feel me? Jurez la vie de vos mères, il fait pas peur. T'es malade. Non, il fait peur, il fait peur. Théma, titan assaillant, ici là. L'entrée du mur Maria. Non. Pitié, je vais la castro sur les champs. Lui, ça se voit, le petit Jean-Pierre, allez, lui, il est bon, lui, la patate, hein. Papa, donne-moi mon téléphone. Oui. Ah, mais t'es dégueu, après ça a pué. Depuis quoi? Je suis propre, moi. Non, tu t'es pas lavé. Je suis pas content, tiens, regarde. Et voilà. À la moule. Non, me dites pas qu'elle va faire ça, pitié. Ah. Tire la banane et la moule et t'auras pas ton portable. Vous êtes dégueulasse. Mais pas le téléphone. Mais le téléphone a rien demandé. Il a rien demandé, tu le fous dans ton falzard, putain. Allez, qu'est-ce qu'il veut lui? C'est un live. Allez gros. Tiens ta bouteille. Mon œil. Mon rêve. Mais il y a vraiment des gens qui rient dans le chat là. Ah. Genre 0 van, c'est. Genre ils. Attends, genre ils sont devant le live, ils sont. Il va aveugler, les gars. Mais y'a tout ça de personnes qui rigolent là. Non, je les connais pas, ça se trouve ils font des trucs bien, mais wesh. Genre il y a un bonnet. Et le mec il tape une bouteille et tout le monde il casse une barre, genre. Et moi je fais des vidéos YouTube et je serais bloqué à. Et c'est ça que vous faites percer. Non, je rigole. On rigole. C'est les copains, hein. Non, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ah oui, fallait que je vous montre un dernier truc aussi. Un truc. Pourquoi je suis bloqué à 254 000 abonnés, là? Eh, après cette vidéo, si j'ai pas 300 000 abonnés, je sors plus de vidéos YouTube. Ça fait des stats ou quoi, là? 1 million, ouais. Ça, c'était gênant. Ouais, ça, cette partie-là, on peut la mettre dans le prochain tri des vidéos gênantes. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on a été bien gênés ensemble, qu'on a bien rigolé. On s'attrape pour une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Sur ce, prenez soin de vous. Plein de bisous. Bisous aux filles et les garçons, on se check, hein, les gars. How can I be homophobic? My bitch is gay. C'est Central C et tout.